lors de leur arrestation, une quantité d'or, comme vous le voyez ici, il y en a d'autres, une autre quantité qui est dans le sac. Une quantité d'or a également été saisie. Il y a aussi de l'argent. En francs congolais, il y a les francs congolais, il y a les dollars, il y a les shillings ougandais, il y a aussi les francs rwandais. Et les francs rwandais sont dans les coffres, puisqu'on n'a pas encore réussi à ouvrir les coffres. Pendant que notre gouvernement se démène pour stabiliser l'économie de notre pays, ces criminels se mobilisent pour favoriser le coulage des recettes, mais aussi la fraude et les trafics de l'or vers le pays qui nous agresse. Leur arrestation est un message fort à l'endroit de tous ceux qui s'adonnent à ce genre d'entreprise dans toutes les provinces. Toutes les batteries sont mises en œuvre pour les mettre hors d'état de nuire et tous seront mis à la disposition de la justice pour subir la rigueur de la loi. Excellence, mon général, nous allons présenter ces criminels, opérateurs économiques ainsi que les agents de l'État qui ont été arrêtés, appréhendés par l'état-major des renseignements. Je vais commencer par les opérateurs économiques qui sont ici. Quand je vous appelle, vous levez le bras pour vous signaler. La liste des personnes arrêtées en flagrance dans 5 comptoirs. Il s'agit des comptoirs Miracle, Sogrit, Mwananchi, Odisha, Congo-Com et Congo-Gold. Les comptoirs, tous ces comptoirs se trouvent à Bukavu, au sud Kivu. La première personne qui a été arrêtée s'appelle Hussein Afrikawala. Je vous dis, Hussein, il est là. A été arrêté aussi Batoul Hussein, c'est une dame, Madame Batoul Hussein. Elle est là, derrière. Il y a aussi Shikhar Varma. Monsieur Shikhar Varma. Il est de Sogrit. Hussein Afrikawala et Batoul Hussein sont de Odisha. Bavesh Kapitima. Il est là. Il est de Miracle. Sunil Kumar de Sogrit. Ludwig Patel de Miracle. Istam Soukoudia, Miracle. Baba Charouche de Miracle. Sumi Sakachan de Odisha. Olivier Basimaka, Mwananchi. Shagalusha Bahati de Sogrit. Baizire Sahariwa de Congo-Com. Bakula Chikongu de Miracle. C'est un client de Miracle. Il est où? Sagi Bahavu Dani de Miracle. Et enfin, Bakifuka Benjamin de Mwananchi. Ça, ce sont les personnes arrêtées en flagrance dans les comptoirs. Nous avons également les chefs de service cités dans les dossiers de la fraude et du trafic illicite de l'or au sud Kivu. Il s'agit de Monsieur Jacques Ikwa Ekila, il est DP de la DGM, la Direction Générale des Migrations. Il est où? Jacques, il est malade. Madame Soulange Nabintou, DPA, DGM, elle est ici.
Monsieur Kwame Litoto, DPANE, Agence nationale de renseignement. Monsieur Chess Mwepu Katombe, DPCSC. Il a été arrêté ici à Kinshasa. Il est où? Ok. Ide Bakula, conseiller financier du gouverneur du Sud Kivu. Conseiller. Voilà. Lieutenant-colonel Pochi Ngula Marius, coordonnateur de la direction de sécurité et frontières. Il est où? Voilà. Capitaine Moukicho Bagedabanga Morel, c'est le poste DSR-26A. Seka Kumba Jean, OCC-26A. Baoubassire Shinga Abdou, CPI-DGM-26A. Bailou Mboula Steve, receveur de TGDA, vous êtes un. Et monsieur François Tulinabo Luando, il est le...